Dans un communiqué dont l'Infodrome a reçu copie, ce jeudi 31 mars 2022, le gouvernement ivoirien a décidé de procéder à une augmentation du prix du super à compter du vendredi 1er avril 2022. En ce qui concerne les produits pétroliers, le prix du litre du super connaîtra, à compter du vendredi 1er avril 2022, une hausse en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un poisson d'avril. En effet, le gouvernement ivoirien a décidé de procéder à une augmentation du prix du super qui passera de 635 FCFA/L à 695 FCFA/I, plus 60 FCFA/L. Les raisons de l'augmentation du prix du super. Dans un communiqué publié le jeudi 31 mars 2022, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a donné les raisons de cette augmentation. Selon ce communiqué, les prix des produits pétroliers continuent leur tendance à la hausse en raison de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cela a entraîné une importante augmentation des prix à la pompe, à la fois du super et du gazole, partout dans le monde et notamment en Afrique. Compte tenu de cette situation, et pour garantir un approvisionnement adéquat de notre pays en produits pétroliers, tout en préservant les couches les plus vulnérables, le gouvernement a décidé de procéder à une augmentation du prix du super qui passera de 635 FCFA/L à 695 FCFA/I, plus 60 FCFA/L, à compter du 1er avril 2022. Le prix du gazole demeure inchangé. En revanche, le prix du gazole demeure inchangé à 615 FCFA/L pour ne pas avoir d'impact sur le coût du transport en commun et des marchandises. Cela correspond à une subvention additionnelle de l'État de 64 milliards FCFA pour le mois d'avril 2022. Au total, l'État aura consenti un effort d'environ 120 milliards de FCFA de janvier à avril 2022, afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages vivant en Côte d'Ivoire. Lire aussi carburant, les prix en hausse. Le gouvernement ivoirien rappelle qu'avant cette dernière hausse du prix du super, la reprise économique mondiale après la crise sanitaire Covid-19 a engendré une augmentation des prix des produits pétroliers à l'international. De janvier à mars 2022, le gouvernement a subventionné le prix des produits pétroliers à 55 milliards FCFA. Notre pays, à l'instar de l'ensemble des pays du monde, n'a pas été épargné. Le gouvernement avait donc pris des mesures pour réduire l'impact de la crise sur les populations et préserver le pouvoir d'achat des Ivoiriens, notamment en décidant de la suspension de l'application de la formule automatique de fixation des prix des produits pétroliers. Cela s'est traduit par une subvention du prix des produits pétroliers, de 55 milliards FCFA, de janvier à mars 2022. Malheureusement, la crise entre la Russie et l'Ukraine a eu des répercussions fâcheuses sur les prix des produits pétroliers qui continuent leur tendance à la hausse dans le monde et en Afrique. Pour rappel, l'année dernière, presque à accent grave la même période, du 6 au 30 avril 2021, les prix du litre du super et du gazole étaient de 615 francs CFA à la pompe. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.